En signe de ce chemin, nous allons maintenant faire cette procession d'offrandes. Chacun de ceux qui le désirent peut maintenant quitter sa place, venir saluer le défunt, et s'il partage notre espérance, poser la main sur le crucifix qui lui sera présenté. Pour ceux qui ne partagent pas cette espérance, après avoir salué le corps, ils retournent immédiatement à leur place. Merci à vous de faire cela selon les orientations du maître de cérémonie pour que tout puisse se faire dans l'ordre. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie
et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps du sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, avec notre évêque, le cardinal de Mali, et tous ceux qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui Rudy, notre frère. Il a été baptisé dans la mort de ton fils. Aujourd'hui, nous participons à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans cette espérance, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi, que le Seigneur nous l'a appris, et selon le commandement qu'il nous a donné, ensemble, nous proclamons. Eh bien, frères et sœurs, nos artistes vont nous changer, chanter le Notre Père avec respect et dignité, harmonieusement en latin. Merci pour votre compréhension et votre participation s'il le faut. Vous allez vous préparer, frères et sœurs, de chanter Panis Angelicus, le pain des anges, en latin. Merci pour votre compréhension et pour votre patience. Et que voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.